Ça a fait un dans Cité Soleil. Deux journalistes ont perdu la vie. Eh bien, non journaliste ça. Et donc, c'est Tyson Lartigue et Francis Charles. C'est deux journalistes qui ont même fait un reportage en dans Cité Soleil après bandit te fin tiré dans la tête. Yon élève l'école qui a 17 ans, yon tifi. Et c'est là, nèg sa yo t'a pral fait un reportage. Et puis, yon toujours une lambo en bas coup de balle. Bandi en dans Cité Soleil GPEP face Genève qui tape et donc et tout qui conne selon ça en pile monde dit et c'est là journaliste ça yo nèg yo t'a victime en bas coup de balle bandi t'a ouvert balle sous nèg yo et donc c'est pas comme si c'est balle marron qui prend nèg yo c'est ouvert même bandi ouvert coup de balle sous deux journalistes ça yo qui yo même arrivé perdre la vie et bandi yo bouler nèg yo selon ça yon l'autre confrère qui était là qui va inviter ou tendez qui va bailler plus détails sous ça. Alors cas ça son cas qui vraiment choquant et un peu le monde dit qui ça qu'a passé comme ça si qu'on y a un journaliste pas capable faire reportage dans zone bagay la rive loin et ben c'est en dans vidéo ça on va inviter autant de confrères ça qui lui même t'a bail plus détail parce qu'il était présent dans l'heure nèg yo t'a pas assassiné deux journalistes plus détail rete sous vidéo n'a tourner et Soleil et journaliste qui t'a travaillé pour médias en ligne. Et yo te allé, c'était un groupe journaliste qui était allé pour te faire interview avec famille yon victime, un jeune tifi 17 ans et là yo rivé et yo tiré sous deux la dedans gen deux nan confrères nou et qui perdu la vie yo la pou la non seulement assassiné yo mais yo kankané yo. Ça c'est une question Haïti pourquoi gen réponse pour li. Nou pa ka comprendre bagay ça. Deux parmi sept journalistes qui était allé non interview dans Cité Soleil hier, Tyson Lartigue 29 l'année ak Francis Charles 27 l'année perdu la vie en babal bandi ça passé hier après-midi dans commune Cité Soleil et un membre délégation qui rive échappé c'est Louisias Diego Malvoisin qui était fait partie de groupe journaliste ça yo tout à travers média en ligne qui était allé dans cité a faire connait c'est quatre nèg à gros am qui t'est l'ouvri zam sou yo sou deux confrères yo qui t'est devant et qui t'a pral perdu la vie. Incident gravement grave ça passé dans zone yo les terres rouges côté c'est G9 et qui a mené et selon confrère nous Louisias Diego Malvoisin dans interview sa Liba Radio Kiskeya et journaliste non qui t'est témoin malheureusement précisé yo t'est planifié ak famille et jeune petit élève ça 17 l'année qui t'est perdu la ville en babal samedi pour lui être entré dans cité et groupe journaliste yo et d'après ça Malvoisin fait connait après yo fin assassiné deux nan yo Jean criminel yo fait et puis mettait du feu sous cadavre ko yo et Louisias Diego Malvoisin rete quoi c'est yon attaque ciblée parce que nan moment yo t'a criblé journaliste yo en babal bandi yo te campé by l'autre moto passé d'après précision li bay nan micro collaboratrice nou Ketia Jean-Pierre Taylor. C'était nous sept qui t'est sorti chat mas et puis nous t'al dans zone Cité Soleil pour t'al faire interview avec maman Christella Delva et jeune demoiselle et 17 l'année ça qui t'est recevoir en cartouche et nan station et Cité Soleil là côté il t'a pas acheté rat l'église lui-même avec maman pendant j'étais dans camionnette et bien on balle l'os en prendre selon sa femme il dit nous balle la sortie dans Gilles et puis nous même qui était ouais ça nécessaire pour nous arriver Cité Soleil nous t'est allé et là dans aller effectivement nous passer dans toute zone yo dans toute zone entrée yo nous pas rien pas de guerre pas de rien et puis nous arrivé en dans Cité Soleil plus précisément dans Brooklyn côté nèg et j'ai pas pu à diriger là nous arrivé nous pas ton caï famille nous parler avec monde dans zone là moun nan zone nan montre nou kay famille qu'est-ce qu'il y a là nous veut kay famille nous parler avec maman demoiselle là qui c'est un grand monde âgé nous parler avec papa demoiselle là tout qui c'est un monde qui victime qui te prend deux balles qui fait une opération là et qui avec en même temps ça veut dire c'est des monde qui vivent dans conditions et tête chargée et dans Cité Soleil ben fin parler avec yo qui était au moins des 10h30 pendant n'a quitté en dedans
Le nap sorti dans zone GPEP là, nous pas ouais un, pas gain un et puis nap continuer monter. Pendant nap monter, là nous rive bord l'hôpital sans frontières et en face et petite base BIM là qui dans zone là et puis les messieurs qui étaient devant eux qui c'est French and Charles des journalistes avec Tyson Lantic, des messieurs ça était devant et puis pendant y a privé, il y a quatre nègres à gros armes fond froid. Nèg ça au sorti yo ouvert coup d'zam et bien sous des journalistes qui étaient devant moi même qui était derrière de monsieur ça avec on l'autre confrère et puis là nous yo ouvert coup d'zam sous nèg yo et puis journaliste tombé et puis nous même nous voyons moto nous attaque puis courir nous prend rage mais nous capable de son attaque ciblée parce que attaque ciblée c'est parce que dans moment nèg yo a ouvert coup d'zam sous des jeunes journalistes yo et puis gagne un moto taxi qu'a passé nèg yo levé zam nan yo bay moto taxi a passé et puis yo continuer à tirer sur des jeunes journalistes ou témoin de attaque là ou capable dire deux jeunes journalistes yo mort capable dire ça des jeunes journalistes yo mort parce que côté nèg yo tiré sur yo a et puis des jeunes journalistes yo tombé et là yo tombé a nous même nous te couru rentrer dans la GIA et puis les nous sorti n'a parler avec moun qui dans zone là yo dit nous comme ça yo pas jeune Nico ni moto ni même moi même tout qui était sous moto pam nan pendant courir nèg yo prend moto pam nan yo prend l'autre moto déjà journaliste là et puis yo prend corps yo rentrer avec parce que moi même les m'a passé retourner en moi crassant avec crassant à terre nous connaît comment zone ça yo est-ce que nous te gon contact qui te dit nous mettre vini ou bien nous te lever tout bonnement nous allons dans cité oui nous te gon contact là c'est à qui est-ce contact là c'est avec famille et demoiselle là famille jeune demoiselle là qui te dit nous li garantit nous jeudi dimanche là pas gain tiré pas gain rien nous capable entrer en dans cité soleil effectivement là nous pour aller là pas gain rien vraiment j'en dis toute bagaille t'a fonctionné machine moto tout t'a fonctionné net pas gain rien nous rentrer tête calme tête glace et pendant là n'a sorti nous pas connait si c'est un coup de douette qui fait sur nous qui dit mais il y a des journalistes qui entrent en densité soleil qui ont gang pour aller. Bon, c'est ça, on a toujours dit depuis l'entrée dans le ghetto, c'est gang qui ont aller. Et on dit, regardez, c'est ça, coup de la fait, coup de la bail qui fait, nous capable de dire nos victimes. Mais nous n'avons aucun rapport avec gang. C'est avec maman, jeune demoiselle, 17 l'année, qui sont élèves, qui vont faire filo année ça, qui vont balle dans tête et qui mourent. C'est avec lui nous avons un contact en dessous des soleils. Qui contact qui fait pour essayer de rejoindre Cadavio? Est-ce que nous pote plainte qui, ou même parmi les gens qui étaient avec monsieur? Est-ce que nous avons la police? Qui ça qui fait? Bon, nous sommes capables de dire, dans un moment, nous avons parlé avec la police. Là. Nous avons alerté de tout ça qui est passé. Yo. Mais nous pouvons vraiment porter plainte de ça qui passe. Parce que depuis matin, nous avons chita, nous avons concerté pour nous qui contact nous capable de faire pour arriver à joindre Koyo. Mais tout contact nous fait, aucune base dit Koyo pas nommé. Tout contact nous fait, aucune base dit Koyo pas nommé. Territoire nous victime, qui groupe cap dirige? Bon, sous territoire victime, c'est Terre ou Jo, c'est Genève cap dirige. C'est Terre ou Jo, mon quoi qui tue le journaliste. Il y a des rumeurs qui font quoi tout, ils entrent avec Cadavio, ils boulent Cadavio. C'est ça qu'on a parlé là jusqu'à présent. Est-ce qu'on est capable de parler nous, petite classe de deux jeunes Sayo, Tyson Lantic, Francine Charles, pour qui médias ont travaillé, qui l'a joué? Bon, Tyson Lantic, qui mourit malheureusement, qui quittait un petit monde. C'est un jeune journaliste qui a 29 ans, qui s'est fêté là tout dernièrement là. Ça qui drôle non, bagaille là. Papa Tyson Lantic mourit. On 11 septembre 2005 puis 11 septembre 2022 là bandi exam et tout et jeune confrère et Tyson Lantic qui travaille pour petit jeune journaliste au métier en ligne il a 29 l'année il mouri qui était madame ni avec un petit bébé Francine Charles tout qui a 27 ans qui travaille pour FS News au métier en ligne qui quitte un petit monde tout. Voilà, c'est Louisa Diego Malvoisin dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor un jeune confrère qui fait partie de délégation journaliste qui était allé dans Cité Soleil côté gain deux nan jeunes confrères qui perdu la vie nous connaissons la date 6 janvier
2022, année a été à peine commencé, nous avons perdu deux jeunes confrères, c'était dans la boule 12. C'est gang Timakakla accusé qui t'a retiré la vie, et John Wesley Amadi et Wilson Louis Saint. C'était au 3, t'as gagné une qui t'est arrivé échappé. Et puis, t'as pris un autre confrère, nous date 23 février 2022, qui t'as pris un mourir sur route à l'aéroport Lazare Maxibin, dans le cadre du mouvement ouvrier, et policier qui t'a accompagné un convoi qui t'a tiré en direction du groupe journaliste. La police n'a pas jamais dit rien dans ça. Et puis, c'est comme ça, jeune confrère, ça, t'es perdu la ville, peut-être t'as couvert. Manifestation ouvrier à couvrir les yeux sur route à l'aéroport, c'était Lazare Maxibin. Et puis tout, événement ça qui passé dans Cité Soleil là, jeudi, côté Francen Charles et Tyson Latigue, perdu la vie en bas Zam Gang. Nous connaissons par exemple Vladimir Le Gaillard qui disparaît tout dans Grand Ravine, pas jamais joué une colle, et donc liste li long. Et concernant jeunes journalistes qui entrent dans le métier et qui mourent, ou bien depuis question phénomène gang ça qui disparaît tragiquement. Et côté pas jamais enquête sérieux, pas jamais enquête justice. Agent exécutif intérimaire Cité Soleil là, Joël Janéus dénoncé Zach assassinat qui fait tout jeune élève d'école ça, Christella Delva, qui a seulement 17 ans. Qui sont timoun qui fait dans Cité Soleil qui perdu la ville dans moment la guerre entre gang G9 ak G Pep recommencer semaine dernière encore dans cité a. Nous interview li bay radio Kiskeya agent exécutif intérimaire là et Joël Janéus fait connait mairie a l'ouvrir une enquête pour faire lumière, joindre information et sous ça cap circuler concernant assassinat qui fait sous deux journalistes français et Charles ak Tyson Lartigue qui perdu la vie hier dans Cité Soleil. Agent exécutif intérimaire Joël Janéus lance un appel bay pouvoir Ariel Henry à la police ak instance qui concerné pour faire une intervention pressée pour éviter d'après ça dit pita par une pitrice et commune et nous connaît qui en deuil parce qu'elle perdu en pile citoyenne sans compter et femme active violée et parce que groupe qui en face yo y a fait manigance, y a un plan pour yon marché pour un territoire nan men lot qui donc la guerre a pas fini et n'attendé agent exécutif intérimaire commune Cité Soleil là monsieur Joël Janéus nan micro Vladimir Maurice Idoué. Vladimir Jacques toujours dit là nous une situation qui est vraiment compliquée dans commune Cité Soleil pendant que mon yo pas capable tromper ni la pluie ni soleil et mon yo c'est mouri yo continue à mourir. Joël Janéus, qui information ou gagné sur assassinat jeune écolier Christella Delva 17 ans avec deux confrères yo France Nechal avec Tyson Latigue dans moment la guerre entre gang G9 avec Gpep Simedey dans Cité Soleil. Il y a des journalistes en ligne qui victime d'après ça n'a pas gardé sur réseaux sociaux en ordinaire yo toujours parlé avec mon ami Rian pour faire nous connaître gen moun qui victime tout ça et jusqu'à présent nous beaucoup e parents nous beaucoup e moun qui parlait ça avec nous mais nous tande ça nan kad laisser frapper groupe de bandio gen yon ak lot nous gen enquête qui n'a mené nous mandé gouvernement la justice la police pour capable mettre un frein dans question ça yo et nous tande moun mouri trop dans pays ya. Ça veut dire qu'il y a une enquête qui est menée là et vous nous connaissez exactement est-ce que il y a un journaliste qui mourit dans la commune. J'ai une petite demoiselle ça qui était déjà pour le filo à 17 ans normalement les victimes de jeunes les victimes de communautés de pratiquement du côté de rété à savoir nous capable parler de monde Cité Soleil côté que en pile monde pas près au monde Christella c'est un petit monde qui levé Cité Soleil qui grandit là et qui a l'école la caille Pétom normalement qui vraiment sorti monde qui vraiment intelligent qui a travaillé très 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 bien l'école et je dis à l'Épédiville c'est un système que monde toujours parler de lui de situation
moun ki pi mal yo. Et pendant ce temps-là, c'est profiter ou profiter de situation moun ki pi mal yo. Plutôt, au lieu que yo retire yo nan sa rue, pi profond, gagne l'État haïtien qui doit voyager sous population Cité Soleil là. Ensuite, faut que yo contrôle ONG yo qui gagne plusieurs millions de dollars nan men yo. Sans que yo pas choisi faire un rien concret pour population. Est-ce que gen risque yon nouvelle horde massif population civile là ak aggravation catastrophe humanitaire qui était déjà là depuis environ 2 mois dans la commune Cité Soleil? Je voudrais profiter parler avec et chef de banyo pour me dire yo m'a continuer dire ça yo c'est frais accès yo pas capable continuer à faire sans population Cité Soleil la couler yo pas capable continuer à faire ça. La justice, la police, gouvernement, la mairie de Cité Soleil supposé prendre responsabilité nous pour nous faire yon synergie, yon force, yon tête ensemble pour nous comment capable couper des rives ça yo qui a fait la commune là. Qui bilan zak bandi yo koumet dernier jour sa yo? Est-ce que gen intervention la police pour essayer rétablir la paix ak récupérer cadavre victime yo boule yo? Nous te connais déjà quantité moun ki sont mouri dernièrement et m'a profiter mande ça avec gouvernement. Si yo pa pressé pressé font bagay pour changer la vie moun Cité Soleil yo, ça ka vinn pi grave demain. Parce que gon sèk de bagay ki a préparé les deux côtés, chef de bande ak chef de bande. Y a préparé comment yo capable youn capable prendre territoire l'autre. Et les ça capable plus grave population Cité Soleil là et m'a demandé pour qu'on bagaille qui fait rapide pour nous capable vivre dans la paix toute gros victoire population ça ka gagner.